Une réflexion sur les meilleures postures à avoir pendant les différentes étapes de ce crunch. On va essayer de profiter du fait qu'on n'est pas nombreux pour pouvoir échanger et pas être dans un exposé formel qui serait pas rigolo. Alors, vous avez déjà, si j'arrive à récupérer une influence de ma souris... Voilà. Bon, vous avez la roadmap du crunch qui vous énonce un certain nombre d'étapes, l'immersion que vous avez fait hier, l'idéation, etc. Et puis des itérations. Alors on va à peine généraliser un tout petit peu ce propos en regardant ce que sont des itérations de conception d'une façon générale. Quand je conçois un système, quand je crée un système, je fais des itérations. Alors on va les décrire un petit peu plus en détail. Bon, dans une vision assez conventionnelle des choses, on se dit ben, je vais commencer par me fixer un objectif, par formuler une cible, un objectif, un but à atteindre ou un problème à résoudre. En partant de cet objectif, on va chercher à lui trouver des réponses, donc on va proposer des réponses, des solutions. Hein. Donc dans un premier temps, je formule un quoi, ensuite je cherche des comment. Donc, quels sont les systèmes qui pourraient répondre à ma préoccupation, à mon objectif. Et puis, alors ça c'est ce que vous avez fait hier, c'est ce que vous faites cet après-midi. Et à un moment donné, il faut que je referme ça en me disant, ben c'est comment, est-ce qu'ils répondent bien à mon problème, à mon interrogation, est-ce qu'ils sont bien en adéquation avec la cible que je m'étais donnée. Donc il va y avoir une phase d'évaluation. Donc je me pose une question. Bonjour. Je me pose une question, je cherche des réponses potentielles et puis j'évalue l'adéquation de ces réponses à la question. J'ai une phase d'évaluation. Suivant ce que je vois dans la phase d'évaluation, ben, je vais peut-être me dire mon système ne répond pas très bien, ma réponse elle n'est pas très adaptée à ce que j'avais prévu de faire. Dans ce cas-là, ben, je vais revenir à ma phase de proposition de réponse. Je vais me dire, ouais, j'avais imaginé une solution qui était le caractéristique, en fait ça ne marche pas, donc il faut que j'imagine ma solution autrement. Donc je vais remettre en cause mes propositions de réponse. Et puis on va même avoir d'autres flèches. Tiens, celle-là, à quelle situation est-ce qu'elle pourrait correspondre d'après vous? Ouais. Alors c'est lors de où ça? Celle-là ou celle-là? Ça peut être au niveau de l'évaluation qu'on se dit, ben en fait, tiens, ça me fait penser. Enfin, je réalise soudain que ma formulation du problème était pas bonne. Peut-être qu'elle n'était pas assez exigeante. Peut-être que j'ai oublié un critère d'évaluation. Et donc il faut que je vienne compléter ma cible, mon cahier des charges en quelque sorte, hein, l'objectif que je poursuis. Donc dans cette phase, je peux venir corriger mon cahier des charges. Et puis celle-ci, à votre avis, à quoi elle correspond? Ça peut être la même chose, ça peut être par exemple, ben, j'arrive vraiment pas à trouver de solution, donc quelque part je vais avoir besoin de négocier les performances de mon produit, je n'arrive pas à remplir 100% des critères, je vais essayer de faire autrement et de viser un produit un petit peu différent. Ça peut être aussi l'inverse, ça pourrait être une opportunité. Dis donc, on a trouvé telle solution, et telle solution, elle en fait un petit peu plus que ce qu'on attendait. Est-ce que ça pourrait nous servir? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir ça, de se mettre ça sous la main et de répondre de cette façon-là? Alors, par rapport à une vision classique des choses, hein, les trois gros, enfin, les flèches principales, celle-là, ce serait je me fixe un objectif, je cherche des solutions, j'évalue pour savoir si ça marche. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a plein d'interactions, il y a plein de remontées, il y a plein de rebouclages de notre système dans tous les sens. Et qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus tourbillonnaire, enfin un truc un peu turbulent, un peu bouillonnant. Ouais. D'accord, merci.
On va donc avoir quelque chose. Ce n'est pas une démarche linéaire, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est une démarche où on va rentrer dedans, puis à un moment donné, ça va être un peu... on peut dire tourbillonnaire, on peut dire aléatoire, on peut dire même le Bronx carrément, parce que ça va vraiment, ça peut tourner dans tous les sens et on peut avoir des éléments nouveaux qui surviennent, qui surprennent tout le monde et qui néanmoins s'inscrivent dans le projet. Alors, j'ai fait apparaître quelques innovations. Alors, elles sont un peu clichés, elles sont un peu anciennes, éventuellement datées, mais elles sont assez emblématiques de ce qu'on peut faire. Là, il y a un truc qui, à mon sens, était une innovation, c'est les interventions sous tension. Je ne sais pas si vous savez que les gens qui s'occupent des réseaux électriques, EDF, ils vont des fois faire des réparations des lignes haute tension sans avoir coupé le courant. Vous aviez déjà vu ça, non ? Je sais pas. Bon, à votre avis, quelle est la première chose qu'on apprend à un électricien dans sa vie ? Voilà. Hein. Pas touche, touche pas petit con. D'abord, tu coupes le courant. Maladroit, assassin, etc., gougnafier, qu'est-ce que tu fous les doigts dans un circuit électrique sans avoir coupé ? Or, ça, évidemment, ça suppose une interruption du service. Si je veux entretenir une ligne à haute tension, si je coupe, pendant la coupure, tous les usagers qui sont à l'autre bout du fil sont privés de la fourniture. Donc, à un moment donné, est apparue une idée qui serait... Il a fallu un farfelu, quelque part, qui dise, « Et si on travaillait sans couper le courant ?» Donc ça, c'est une think out of the box, c'est ça. Hein, c'est dire, je vais dire une connerie, mais est-ce que ce serait si grave que ça ? Est-ce qu'on saurait travailler sans couper le courant ? Vous savez comment ils se protègent ? Alors, ils s'arrangent pour ne pas être reliés au sol. Et si jamais ils étaient reliés au sol, qu'est-ce qui se passerait ? Le courant essaierait de passer par eux. OK. Comment je peux me protéger ? Là aussi, vous avez deux stratégies. Vous avez la stratégie courante, je vais m'isoler. Mais s'isoler quand on travaille sous 20 000 volts, ça commence à faire des gants épais. Vous avez dit cage de Faraday, avoir un matériau conducteur. Si vous regardez mieux la photo, vous voyez ça ? C'est réalisé sans trucage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de travailler sous tension. Lui, il est relié à un potentiel, enfin, sa combinaison hyperconductrice est reliée à un potentiel. Le système sur lequel il travaille est à un autre potentiel. Si du courant doit passer, il passe par la combinaison, il ne passe pas par moi, donc moi je reste à l'abri. OK ? Alors, un truc comme ça, il a fallu le penser, mais on est parti, vraisemblablement, quand on a fait ça, on est parti de cet objectif-là. Comment est-ce que je pourrais travailler sur mini-lignes électriques sans avoir... Sans couper le courant, donc sans interrompre le service. Donc, et pour faire ça, ensuite, ils ont dû se dire, il faut que j'élabore une stratégie technique, etc. Bon, il y a tout un tas de solutions. C'est un truc qui n'est pas jeune, hein, ça a une cinquantaine d'années. Un cas comme celui-là, à votre avis, l'invention du smartphone, vous pensez que ça part d'un besoin ? Ou ça part d'une techno ? Apple crée le besoin, vous savez que le besoin, le crée, enfin, on le révèle, il est quand même latent. Vraisemblablement, il est parti des deux. On part de l'idée que ce serait bien pratique d'avoir quelque chose qui affiche tout un tas de fonctions, et puis j'ai une technologie qui le rend possible. Donc, la poule et l'œuf sont bien difficiles à distinguer dans ces cas-là. On va partir des deux côtés et on se dit, tiens, cette technologie-là qui est disponible, appliquée à tel besoin, ferait un produit qui serait intéressant. L'attente de secondes. S'il fallait la resituer dans notre schéma, vous diriez qu'on est parti d'un besoin ou on est parti d'une... Alors en fait, c'est les deux aussi. On est parti d'un besoin, effectivement. Tout campeur qui a mis un quart d'heure à monter sa tente, et encore, c'était déjà un progrès, a quand même rêvé un jour, si elle se montait en 30 secondes, et puis même, rêvons plus, elle se monte en... Tchoc, je la lance en l'air, et quand elle atterrit, elle est posée. C'est ça qu'ils vont trouver. Alors, il y a ce besoin-là qui existe, et puis il y a quelqu'un qui connaît ce besoin-là,
qui un jour rencontre par hasard une idée qui lui semble intéressante. Il y a une personne de Décathlon qui se balade au Brésil, et au Brésil, elle voit un jeu de plage avec une structure comme ça un petit peu déformante, et tac, tac, il relie les deux éléments dans sa tête, et c'est de là que part l'idée de la tente. Après, il y a un long développement. Hein, mais... Le post-it, vous connaissez son histoire ? Tu la connais ? C'est ça. Hein, ils ont une colle, mais cette colle s'avère ne pas sécher, en fait. Et donc, c'est une découverte... ils ont découvert ça incidemment, quoi. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Tiens, on a trouvé une colle qui sèche pas, puis qui continue de poisser, quoi. Au début, c'était une mauvaise nouvelle. Puis, à un moment donné, quelqu'un a eu l'idée pour essayer de la mettre sur des bouts de papier. Et hop, il trouve de façon opportuniste, comme ça, une utilisation de cette opportunité technique. Donc là, on est parti de ça. J'ai un bout de réponse. Tiens, à quoi ça pourrait me servir ? Ok ? Et puis... La dernière, alors c'est la Renault Twingo. Alors je sais que ça fait ancien combattant, mais la Renault Twingo 1992, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez, alors, lorsque le développement de cette voiture a été lancé, c'était pour trouver un remplaçant aux voitures très bon marché de la gamme Renault, donc les 4L. Au début, l'objectif initial du projet, c'est ça, faites-moi une voiture qui soit au prix de la 4L, faites-moi une voiture très très bon marché. Et les projets avancent, ils cherchent des solutions, et chaque fois qu'ils trouvent une solution qui s'inscrit dans le prix cible, le bilan, c'est que personne ne voudra jamais acheter cette voiture-là. Ce sera un tas de tôles vibrants, avec une réputation de cheapo, etc. Personne n'en voudra. Et il s'avère que le produit le plus pertinent, ce n'est pas un produit de très très bon marché, c'est un produit sensiblement plus cher, mais qui, lui, sera rentable. Et en fait, dans l'histoire du projet, on change d'objectif en cours de route. C'est-à-dire qu'on part d'un certain objectif qui est de faire une voiture pas chère. On cherche des initiatives, hein, des solutions, on évalue, non, c'est pas satisfaisant. Hein. Et au moment où on trouve des produits qui commencent à être satisfaisants, on s'aperçoit que la vraie cible, c'est pas d'une voiture pas chère, c'est une voiture rentable pour le groupe, et en fait, elle va être 20% plus chère. Hein. J'ai rapporté les prix ici, d'époque, et puis converti, hein, en euros de maintenant. Une 4L, en gros, était un peu plus de 11 000 euros, une Twingo est un peu plus de 13 000 euros. Donc là, c'est vraiment des itérations qui ont eu lieu entre formulation, proposition, etc., au point de s'apercevoir que la cible initiale qu'on s'était donnée, c'est pas la bonne, quoi. Donc la conception, c'est un peu paradoxal, hein, c'est un peu comme si vous faisiez du tir à l'arc, mais un tir à l'arc dans lequel on a le droit de déplacer la cible, quand même. Et même des fois quand la flèche est déjà partie, même si c'est un peu dangereux. Mais... Ça marche ? Ça vous parle ? Alors... Une fois que j'ai posé cette... Bon, je peux laisser l'illustration, d'ailleurs. Une fois que j'ai posé ça, votre avis, dites-moi. Ben c'est en évaluant l'attractivité du produit, par exemple. On sait quand même, suivant certaines performances, en niveau de bruit, en esthétique, en niveau d'équipement requis, quelles sont les attentes du marché et à quel... prix ou à partir de quel niveau de performance un produit peut être attractif, en fait. Et rapidement, ils ont vu qu'ils ne réussissaient pas à converger sur cet objectif de prix-là, et qu'il fallait décaler le compromis prestation-prix, en fait. Dans ces différentes... Pour revenir maintenant au thème de la formation, enfin de la conf, quelles sont, selon vous, les postures à adopter, les attitudes à adopter, si je suis dans un groupe de travail, si je suis concepteur du produit, pour m'inscrire au mieux et faire tourner au mieux ce processus un peu... pas aléatoire, mais en tout cas turbulent, disons. Qu'est-ce que c'est qu'on attend des participants ? Qu'est-ce qu'on attend de vous, d'ailleurs, cet après-midi, pour être efficace dans ce processus ? Se poser des questions, beaucoup, 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 se questionner, bien sûr. Communiquer vers qui ? Vers les autres membres du groupe, mais aussi, sans doute, vers votre porteur de projet. Hein, vous exprimer. Se remettre en question, se dire que je suis jamais arrivé au bout
Et il y a toujours plusieurs façons possibles, il y a toujours plusieurs regards qu'on peut avoir sur, sur une question donnée, en fait. Hein. Faire du. J'ai pas compris, pardon. Ouais. Donc, test and learn, faire des essais-erreurs, accepter cette idée. Mais c'est pas si évident que ça, parce que si on a suivi des formations d'ingénierie, on vous a appris à bien construire les choses dans un certain ordre, à calculer précisément, etc. Or, il y a un moment donné, il faut attaquer les choses avec un peu plus d'humilité, avec du papier et des ciseaux, des fois en pliant les trucs pour voir comment ça se comporte. Donc cette idée même de rentrer dans une logique itérative n'est pas du tout si évidente que ça. Pendant longtemps, les entreprises disaient qu'il faut faire bon du premier coup. Or, si on itère, on ne fait pas bon du premier coup. Alors, essayez d'être. Alors vous dites être prévoyant, c'est-à-dire si je mets une disposition dans mon système, il ne faut pas qu'elle soit contradictoire avec d'autres dispositions. C'est ça. Essayez d'anticiper. Hein. Anticiper ce qui peut survenir. Alors, oui, et en même temps, des fois, il faut se dire attends, je laisse libre cours à mon imagination et on verra plus tard si une idée qui a un potentiel, il faut peut-être la laisser pousser un petit peu, exister un petit peu, quitte à la réconcilier ensuite avec le reste du projet. Tu vois, ça, si on s'était dit dès le début, écoute, t'es gentil, mais nous on veut des cols qui sèchent, hein, parce que les cols qui sèchent pas, ça embête tout le monde, eh ben, on aurait tordu le cou à ce potentiel-là. Or, les post-it, on peut dire que c'est un succès commercial, quoi, hein, c'est diffusé, imité, etc. Quoi encore ? Quelles autres attitudes ? Ouais. Pas avoir peur de sortir du cadre, proposer des choses qui pourraient paraître loufoques. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui doit raisonner des fois avec rigueur, avec ma rigueur d'ingénieur, des grandeurs, des physiques, des grandeurs physiques, des effets physiques, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, etc. Et puis il y a une part de moi qui doit accepter un peu d'envoyer la première part. Bon, écoute. Cet après-midi, tu nous laisses tranquille et se permettre de sortir des sentiers battus, se permettre, s'autoriser à penser autrement, s'autoriser à penser des trucs. Voilà, faut être capable de dire, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais qu'est-ce que vous diriez d'eux, quoi. On a vraiment besoin de ça. J'avais entendu un coup quelqu'un qui disait, on ne peut pas trouver une solution ou une idée qu'on n'a jamais eue si on ne prend que les chemins qu'on connaît, en fait. Donc il faut vraiment, à un moment donné, accepter de sortir du chemin. Je ne suis jamais passé par là, on n'a jamais fait comme ça. Oui, essayons quand même pour voir. Pour voir. Ok, une dernière proposition ? Deux ? Ah ben, pardon. Faut se tromper, oui. Il faut essayer. Essayer quelque chose et voir que ça ne marche pas. De toute façon, comme ça, on est allé voir et de toute façon, on a appris. Constater qu'une solution ne fonctionne pas, c'est aussi un apprentissage positif. Voilà, hein, j'ai éclairé un truc dans la nuit en me disant, voilà, en tout cas, je sais qu'il n'y a pas de chemin. Mais ce n'est pas rien. C'est plus une information nouvelle qu'une erreur, en fait. Ouais. Pas oublier le pourquoi, pas oublier la raison d'être. L'utilisateur final du produit, l'usager, les usages, la plus-value du produit, tout ça, faut le garder en tête. Voilà, il y a quelque part un compromis. Alors c'est pour ça qu'on avait mis souple sur les appuis, hein, dans le titre de la conférence, parce qu'il y a quelque chose de contradictoire. Il faut à la fois garder les yeux sur l'objectif, et puis des fois lâcher l'objectif des yeux pour réfléchir à autre chose et laisser ma tête penser, la laisser un peu tranquille pour qu'elle arrive à imaginer des choses, à projeter des solutions possibles. Ok ? Donc on est sur des injonctions contradictoires, bien des fois, hein, à se dire il faut être concret, il faut converger et à propos d'injonctions contradictoires. Ça marche, je te laisse hurler. Hein. je compte quand même sur toi.
On va alterner des comportements. En fait, il n'y a pas une posture qui est la bonne d'un bout à l'autre de votre cycle de conception, de votre processus. Il y a des postures qui vont succéder. Une phase comme aujourd'hui, par exemple, oui, il faut laisser libre cours, il faut se donner du temps, il faut lever les censures, lâcher un petit peu l'objectif des yeux et se dire, j'essaie de cueillir toutes les opportunités possibles. Là, je lâche. Et puis, à d'autres phases, on va se dire, ben, cette fois, il faut converger, le temps sera raccourci. Vendredi à 13h, ce ne sera plus le moment de se dire, tiens, j'ai eu une idée géniale cette nuit, si on faisait autrement. Non, si ça fout tout en l'air... Il va falloir être un peu raisonnable et puis resserrer un petit peu le champ de ce que vous faites. Encore que, on a vu des fois d'excellentes choses se faire dans les dernières lignes droites. Mais en tout cas, voilà, il faut être aux aguets, à l'affût en quelque sorte, et puis se dire à chaque moment quelle est la meilleure attitude à adopter. Alors, j'ai essayé de noter à la volée les mots que vous disiez, j'espère que j'en ai pas oublié. Non, j'ai sans doute triché un peu. Voilà, il y a un certain nombre de mots. Alors, vous m'avez dit qu'il faut s'exprimer, il faut écouter. Alors, c'est extrêmement important pour que chacun se sente libre de pouvoir exprimer tout ce qu'il veut. Eh bien, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de jugement dans ce que vous exprimez. Si j'ai une idée un petit peu audacieuse dont je ne suis pas tout à fait sûr, est-ce que ce n'est pas une connerie? Et puis qu'au moment où je crains qu'au moment où j'exprime, je me prenne une critique ou un colibet ou ne serait-ce qu'un petit rire sarcastique, ça va pas m'aider à mettre cette idée sur la table. Si au contraire je me sens dans un environnement sécurisé où toutes les idées trouvent leur place, ce sera beaucoup beaucoup plus facile. Donc là vous avez deux rôles à jouer. Vous êtes celui qui s'exprime. Quand vous avez une idée, il faut la donner. Et vous êtes quelque part l'auditoire de vos collègues. Quand une idée est exprimée, il faut l'accueillir. Et sans jugement, ou aller chercher ce qu'il peut y avoir de mieux dans cette idée, et comment vous pouvez la croiser avec d'autres, etc., comment vous pouvez collectivement en tirer parti. Voilà, donc, il faut agir, il faut participer, il faut s'exprimer, etc. Il faut vraiment être convaincu que les idées, tout le monde peut en avoir, tout le monde peut produire, vous proposer une idée efficace. Dans mon premier job, un coup, je travaillais dans un bureau d'études et j'ai pris une leçon comme ça d'un balayeur. La personne qui faisait le ménage, quoi. Et on avait des bureaux paysagers. Attendez, comment je pourrais vous illustrer ça? Voilà. Voilà, il y avait un grand couloir dans les bureaux. Puis il y avait, je sais pas, vous avez déjà vu les bureaux paysagers, c'est des petites enclaves avec des cloisons. Et puis il fallait qu'ils s'avancent à chaque fois. Prendre la poubelle bleue, retourner la vider dans son chariot bleu, puis après il prenait la poubelle pas bleue, et avec les papiers de chewing-gum, puis il allait la ranger dans le chariot, puis il ramenait. Et donc à chaque bureau, son job c'était, hop, je viens, je prends les poubelles, je les ramène, elles sont vidées, je les ramène, puis je passe au bureau suivant, et puis je recommence. Et un coup, j'ai vu un gars qui avait trouvé une solution pour faire deux fois moins de chemin. Deux fois moins de chemin. Et j'y avais jamais pensé en voyant les autres faire. Comment il faisait ? Eh oui, il arrivait avec une poubelle vide. Il allait piquer une poubelle vide quelque part. Il s'enfilait dans le bureau. Il posait les deux vides. Il prenait les deux pleines. Il vidait. Il passait à la suite. C'est bête et con, hein, on tombe pas de sa chaise, mais quand même, moi ce qui m'a interpellé, je me suis dit, ah, celle-là il l'a trouvée, et puis moi j'y avais pas pensé, ça m'avait pas interpellé, quoi. Donc voilà, moi je me rappelle que ce jour-là j'ai pris une leçon d'un balayeur, en termes de, vous voyez, de création, d'imagination, de solutions intelligentes, ça calme. Moi je l'ai retenu comme ça en tout cas. Voilà, alors donc, il faut être un peu optimiste, voilà, j'ai mis un certain nombre de mots-clés, je vous laisse les découvrir, de l'audace, des rebonds, hein, vous me proposez une idée, j'essaie de rebondir dessus, ah oui, ça me fait penser que, etc., etc. C'est vraiment à ce prix-là qu'on peut exploiter le potentiel de toutes les intelligences qui sont autour de la table, en fait. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, quand on veut...
Ça, c'est des éléments vraiment très très généraux. Votre façon de vous comporter vis-à-vis du groupe, d'une façon générale, des éléments qui se résument ici. Maintenant, quand on veut aller plus loin, il y a même des méthodes. Il existe des méthodes de travail, de réflexion, d'organisation, etc., qui peuvent vous guider dans cette façon de vous comporter de la façon la plus efficace possible sur les projets. Alors, elles sont mentionnées ici. Alors, la liste est carrément effrayante parce qu'il y en a plein. L'objectif n'est pas pour vous-même de les connaître et autres, mais sachez simplement que ça existe en fait. C'est-à-dire que si vous vous trouvez en panne, si à un moment donné vous vous dites le groupe on fonctionne plus, on ne sait plus très bien comment faire, on a chope sur un... Ça fait 4 heures qu'on se casse les dents sur un problème et qu'on ne trouve pas de solution, qu'on ne sait pas comment l'empoigner, qu'on a des soucis dans le groupe, que maintenant on commence à se décourager, on ne produit plus, etc. Vous pouvez, en tout cas au niveau de ce crunch, aller demander de l'aide. Aller au comptoir des compétences. Qui de vous connaîtrait une méthode qui nous permettrait de sortir plus d'idées, qui nous permettrait de converger plus vite, qui nous permettrait de trier parmi les idées, par exemple? Des fois, votre problème, c'est que vous ne trouvez pas d'idées. Puis des fois, votre problème, c'est que vous en avez trouvé 35 et puis que vous ne savez pas comment faire le tri dedans de la meilleure façon possible. Eh bien, derrière ces questions que vous vous posez, ces problèmes que vous pouvez rencontrer, il y a des aides possibles de la part de vos accompagnateurs qui peuvent être simplement discuter avec vous. Et puis, rien que par la discussion, il y a quelques évidences qui vont sortir et on va trouver. Et puis, des fois, d'utiliser un fil conducteur un petit peu plus formalisé qui pose des questions dans un certain ordre, par exemple, pour faire émerger émerger des solutions. Donc voilà, alors elles sont approximativement classées par zone. Ça, c'est plutôt des méthodes qui peuvent vous servir pour tout ce qui est cerner l'objectif, définir l'objectif. Des méthodes plutôt utilisées pour créer, imaginer, trouver, produire des solutions. Des méthodes qui vont vous aider ici plutôt pour la partie évaluation, dans cette comparaison. On va chercher à objectif B la comparaison entre ce qu'on cherchait et ce qu'on a trouvé. Okay. Alors ceci dit, c'est le document, j'ai repris mot pour mot les listes que vous avez dans le guide pédagogique, vous savez, enfin la roadmap détaillée. Hein, qui est en Word, enfin, en format vertical avec du texte, et puis qui reprend quelques schémas de processus comme ça. Et étape par étape, on dit il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Si vous avez l'impression qu'un outil vous aiderait parce qu'il vous guiderait pour mieux trouver, mieux penser, mieux réfléchir, vous pouvez les utiliser. C'est une opportunité, c'est une boîte à outils qui est là, c'est pas du tout une obligation. Aucun outil, aucune méthode ne couvre de façon efficace l'ensemble de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble de tout ça, le seul endroit où on arrive à le faire fonctionner de façon satisfaisante, c'est dans cette zone qu'on a entre les deux oreilles là, d'une personne, hein, l'étincelle de l'intelligence et de la création, et encore mieux celle de plusieurs personnes rassemblées. Pour l'instant, c'est ça qui fonctionne. L'intelligence artificielle va sans doute nous faire mentir un de ces quatre, mais pour l'instant, c'est encore vous qui avez l'exclusivité de ça. En fait. OK ? Donc voilà, donc sachez-le, hein, il y a avant tout, c'est des attitudes à adopter. C'est normal que vous soyez des fois déstabilisé parce que la bonne attitude, la bonne marche à suivre, ben, ce n'est pas la même suivant les phases du projet, suivant les phases où vous en êtes. Il y a des jours où celui qui est très analytique, pointilleux, etc., ben, il nous rend plus service. Il y a d'autres jours où... être un petit peu farfelu, s'autoriser à penser des trucs un peu de travers, ben ça peut rendre beaucoup, beaucoup de services. Y a des jours où le défaitiste permanent qui vous dit « ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas », ben dans la phase de créativité, on lui demanderait bien de pas trop essayer de nous convaincre que ça marchera pas. Par contre, quand il s'agit d'examiner les risques d'une solution ou bien les conditions à remplir pour qu'elle fonctionne, ben le pessimiste, des fois, il nous rend des services aussi. Donc, il y a de la place pour chacun. Les attitudes de chaque jour sont pas les bonnes. Le dénominateur commun, c'est vraiment ce qu'il y a en gris ici. Hein. S'exprimer, écouter, renvoyer ce que vous entendez. Et puis, pour aller plus loin, voilà, vous pouvez aller demander de l'aide et on peut vous aider au besoin avec des outils. Quoi. Ça marche ?
Quelles sont vos questions? Quand est-ce qu'on mange? Je ne sais pas. Bon, écoutez. Tu peux oser un témoignage? Bien volontiers. Que m'inspire ta présentation sur le côté créatif versus rationnel, déductif, calculateur, etc. Comme Pierre Alain dit, vous allez alterner des phases avec des états d'esprit très différents. Il ne faut pas en avoir peur. Et l'idée reçue dont je voulais parler, dans l'espoir qu'elle résonne pour un ou deux d'entre vous, si ce n'est pas le cas, je vous présente mes excuses pour les 30 secondes perdues. Mais elle m'a concerné moi quand j'étais à votre place. L'idée reçue, c'est il y a des gens créatifs, et puis il y a des gens qui sont rationnels, organisés, calculateurs, ingénieurs, par exemple. Et on est l'un ou l'autre. Et moi, j'ai grandi comme ça. Je ne vous dis pas dans quel cas j'étais, mais j'ai grandi comme ça. Je n'étais pas de côté créatif du tout. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des tendances et qu'il y a des gens à qui l'un ou l'autre vient plus naturellement. Mais c'est pas vrai de dire qu'il y a des créatifs et des rationnels. On peut chacun d'entre nous être l'un à un moment et l'autre à un autre moment. Les gens les plus organisés calculateurs peuvent être créatifs et inversement. Le truc, c'est qu'on peut pas l'être en même temps. Et il faut surtout pas essayer de l'être en même temps. Donc quand on se veut créatif, il faut lâcher prise. Et quand on calcule, on est sérieux. Et si on fait ça, on peut être les deux, chacun d'entre nous peut être les deux à la fois, il ne faut pas du tout craindre ça. Merci beaucoup. Effectivement, ces deux personnages existent en chacun de nous, et il vous appartient à vous de les faire vivre les deux, de vous manager en quelque sorte en vous mettant dans une des deux postures, ou en tout cas en laissant libre cours à une des postures dans la situation qu'il requiert, quoi. Ok. D'autres questions? Dites-moi. Ouais. Oui. Oui, vous dites dans les phases de brainstorming, il faut distinguer. Quand on est en phase de brainstorming, on produit et on note, sans réserve, et on évaluera plus tard. Alors ça, effectivement, pour ma part, je vous le recommanderais, et je crois que c'est quand même un dénominateur commun de pas mal de méthodes de créativité, justement à cause de ce que vient de dire Florent. Quand je suis dans un des personnages, je ne suis pas dans l'autre. Donc si je me mets dans la phase « je suis productif, imaginatif, farfelu et je m'autorise à penser à côté de la plaque », il faut que je puisse le faire librement et que ça échappe aux censures du groupe. C'est pour ça qu'on dit « vous ne prononcez pas d'avis et même vous n'évaluez pas l'idée, elle nous paraît intéressante ou pas ». Et elles échappent aussi à mes censures à moi. Donc en faisant ça, on se met délibérément, toutes les personnes du groupe, dans ce rôle-là, dans ce rôle de producteur d'idées imaginatif, ici, et on dit « on évaluera plus tard ». Parce qu'sinon, une évaluation d'idées peut vite avoir un effet extinctif. Quoi. Je produis une idée, puis non, celle-là, elle n'est pas bonne, ton idée, parce que je t'ai dit, on est dans un environnement corrosif, donc il ne faut pas mettre des pièces en acier parce que ça rouille. Puis ton idée à toi, elle n'est pas bonne, parce que j'ai dit, on est dans un environnement avec des grands champs magnétiques, donc les courants faibles, ils vont pas... Bon, hop. Si on fait comme ça, ça suffit à avoir un effet extinctif qui n'est pas bon. Il vaut mieux qu'on produise tout, et après, dans la phase d'évaluation, on essaie de garder le meilleur de chaque idée, de les assembler entre elles. Et ça, c'est vrai, chaque fois que j'ai vu des méthodes de créativité, ça marchait de cette façon-là. Ouais. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis bonne... bonne